vivait dans un luxe inouï. Le chien qui s'appelait Puccini, mais son maître disparu, Puccini est perdu et troublé de chagrin, voulut s'enfuir au loin. La fourrière l'attrapa et quelqu'un l'adopta. Il a une nouvelle famille, pas bien riche mais si gentille. Heureux enfin pour lui, tout va très bien, Puccini. C'était la journée la plus horrible de ma vie. Je veux plus jamais retourner à l'école. Hé, hey, là, il a du calme, mon garçon, ne te laisse pas aller. Arrête de trembler. Ce n'est rien, ton âge, à moi aussi, ça me faisait cet effet. C'était pas facile d'être un marginal, un exclu, d'être le seul à toujours jouer avec les miettes de ses poches. Personne ne sait à quel point l'école peut être stressante, alors qu'elle l'est autant que le monde du travail, même si les miettes y sont moins grosses. Ah oui, j'ai connu ça, Tu sais que nous sommes prêts à tout entendre. Ça s'est passé super vite. L'instituteur a demandé à chacun ce qu'on allait présenter à la foire de la science. Moi d'abord, j'avais pas d'idée, puis ça m'est venu comme ça. J'ai dit que j'allais faire un chien volant. Et alors, il y a les élèves qui ont commencé à rire et à se moquer de moi. Tout va bien, chaton. C'est une idée comme une autre et il n'y a effectivement vraiment pas de quoi se moquer de toi. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Le premier chien qui défiera les lois de la gravité sera un héros. Bonjour la notoriété. Un chien volant. J'ai jamais rien entendu de plus absurde. Tu vas devenir la risée de tout le quartier. Tu vas ternir notre nom de famille à tout jamais. Ternir à jamais? C'est bon, ça va, tu peux compter sur moi. Je vais t'aider à faire voler un chien. Ouais, t'as plein. Et là, je te garantis que nous allons faire progresser l'humanité. Nous allons entrer dans l'histoire. Oh cool. Moi qui déteste l'histoire. Tu ne vas jamais y arriver là. Il faut que tu prennes de la vitesse si tu veux qu'il décolle. Oui, prends de la vitesse. Est-ce que je rase moi les pâquerettes? Oui. Merci, c'est super que tu me laisses conduire. C'est ton projet de science, pas le mien. Et si je conduisais, ça serait de la triche. Si Saint-Exupéry voyait ça, il se dirait qu'il hallucine. Appuie sur le champignon, vas-y. Je Si je n'étais pas le génie que chacun sait, je jurerais que c'est une tondeuse. Là, au moins, tu peux être sûr qu'il va décoller. Allez-y, mon brave, mettez le contact. Hop là ! Ouais ! C'est une affaire qui vole. Maintenant, je comprends pourquoi les millionnaires aiment tant faire le tour du monde en ballon. Bon, les gens ont l'air minuscules. Regarde, quand je te disais que c'était le jour d'ouverture de la chasse, et pour une fois, on est prêt. Tiens là, en gros. Ah,
un si beau projet d'avion, on aurait dû le construire plus tôt. Ouais, mais quelqu'un d'autre l'a fait avant nous. Ah, et est-ce que ton quelqu'un a eu l'idée de fixer un réacteur à la structure? Léonard de Vinci était malin, mais vois-tu, il faut du génie pour penser à installer un réacteur sur ce genre d'appareil. Ce qui prouve bien que t'es le père le plus futé du quartier. D'ailleurs, je suis sûre qu'avec le chien volant, on va faire un tabac. Vite, Billy, rameutons les foules. Toi et moi, nous allons entrer dans l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je salue le chien volant. Ouais, bravo, bravo. Hey, arrêtez, taisez-vous, j'ai pas fini. Nous allons assister au grand carambolage. Ouais, je voulais dire au grand décollage. Ça marche. Regardez-moi bien. Je suis un héros. Chien volant, c'est pas ton truc, mais c'est pas si grave. Trouve-toi une autre étude de science. Puccini! Allez, saute, mon chien. Allez, tu sers la science. Vous êtes complètement fous. Les chiens font pas de plan.